Ok, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais trop hâte de vous filmer. Alors en fait, je vais vous dire mais qu'est-ce qu'elle raconte elle aujourd'hui, c'est quoi ce titre de vidéo, on comprend rien à ce qui se passe. Ou peut-être que vous avez compris si vous êtes très malin et très futé. J'ai décidé de faire une vidéo par jour pendant un mois. Alors, comment, pourquoi, en quoi ça consiste, je vais tout vous expliquer. Déjà j'espère, je vais éviter de crier puisque je comprends que la gueule de bois doit être présente en vous. Alors, ne croyez pas que j'ai tourné ça hier, aujourd'hui. Moi aussi je suis comme vous en train de mourir quelque part dans un Airbnb à Montréal. Voilà, sûrement en train de manger, enfin j'espère. Donc cette idée en fait elle m'est venue pendant le mois d'octobre. Je me suis dit Gwen t'es au Canada, ça arrive pas tous les jours. Enfin là ça m'arrive tous les jours en ce moment mais t'as compris, ça va pas m'arriver tous les jours de ma vie. Je me suis dit il faut marquer le coup, faut faire quelque chose. En plus je suis en Erasmus, on va pas se cacher que c'est pas l'année la plus compliquée de toute ma life. Même si quand même bon j'ai des petites obligations et tout, mais ça va, ça va. Je sais que vos youtubeurs préférés vous ont fait ça pendant le mois de décembre. Mais c'est trop prévisible, trop classique. Puis moi j'ai des partiels en décembre, voilà. Donc je me suis dit pourquoi ne pas faire ça en janvier. Janvier c'est parfait, je vais commencer mes nouveaux cours, c'est-à-dire ne pas faire grand chose pendant un moment. C'est parfait pour vous faire une vidéo par jour. Et là, une idée m'est venue, je me suis dit Gwen, en plus en janvier, c'est la déprime pour tout le monde. C'est-à-dire que t'as passé les fêtes, t'as beaucoup bouffé, t'as vu tous tes potes, toute ta famille, vous êtes bien enquillés de l'alcool et de la bouffe. En plus après t'enchaînes sur le nouvel an, janvier on te dit il faut retourner au travail, c'est la déprime. Voilà, je te dis pourquoi la vie, pourquoi la mort, t'es au bout de ta vie. J'ai décidé qu'on traverse ça ensemble, mais si ce serait plus sympa. Du coup qu'est-ce qu'il y a en décembre? Il y a le calendrier, ce petit truc que tu ouvres tous les jours dans l'attente d'un petit cadeau ou d'un petit chocolat si tu es comme moi. Bah pourquoi pas faire ça en janvier en fait? Voilà, du coup j'espère que vous avez compris. Calendrier, janvier, jalandrier. J'ai eu cette idée dans la douche, depuis, elle me quitte plus. Ne la critiquez pas, elle est parfaite. Le but est donc de faire une vidéo par jour pendant le mois de janvier. J'ai pas choisi le meilleur mois parce que je veux dire, le calendrier normalement c'est 24 jours. Bah là il y en a 31, c'est quand même pas pareil. Qu'est-ce que donc vous allez avoir tous les jours? Mais des surprises mes amis, des surprises. J'ai hésité au début à vloguer parce que je sais que bah, par exemple Enjoy Phoenix fait les vlogs masse, Lena Situation fait les vlogs d'août. Voilà quoi, il y a déjà pas mal de gens qui font du daily vlogging. Personnellement je me suis dit ça va être compliqué mais pourquoi pas. Puis j'ai réfléchi et j'ai pas des trucs de fou à vous présenter tous les jours. En fait quand je vais au travail le matin et qu'après je fais une sieste puis que je révise mes cours, pas fou. Tu dis non. Et là j'ai pensé à un autre youtubeur, c'est-à-dire Pierre Cross. Il y a quelques temps, j'étais au lycée, donc c'est genre il y a 3 ans, je sais qu'il faisait une vidéo par jour, mais genre pendant un an lui il a fait ça. Un taré mental, je sais pas comment il a fait. Et je sais que ça sortait genre le matin à 6h et moi dans le bus je regardais ça. Et c'était des petites vidéos, on savait pas trop à quoi s'attendre chaque matin, c'était vachement drôle, hyper dynamique et assez court. Donc je me suis dit on va partir sur ça. Pendant du coup tout le mois de janvier, vous allez voir des vidéos tous les jours. Ça c'est si je réussis. C'est pas encore gagné. Les jours donc il y aura des petites surprises. Ça va passer du vlog parce que c'est un format que j'aime bien. Vous l'avez déjà vu si vous me suivez sur Instagram, si vous me suivez pas. Attendez-vous encore en fait. Je suis partie à New York, je suis partie à Montréal, j'ai passé Noël à Québec. Non, parce que je vous dis ça, mais j'y suis pas encore allée. Alors je filme cette vidéo. C'est pas grave, je me suis régalée, je n'en doute pas. Et je vous ai vlogué tout ça. Donc va y avoir des petits vlogs, mais pas que, parce que mon but c'est pas juste de vous balancer mes vacances un peu tous les jours. Va y avoir aussi un peu des vidéos chit-chat, des story time, un peu des trucs où je vous parle, je raconte des anecdotes, des trucs comme ça, des trucs que j'aime bien faire. Il y aura aussi sûrement des we talk et il y aura évidemment un peu de daily vlogging quand même, parce que c'est quand même bien sympa. Donc je vous amènerai quand même avec moi dans des journées lambda, des week-ends, là, quand même pour vous montrer mon petit quotidien ici. Voilà, j'espère surtout que je vais y arriver en fait parce que 31 vidéos en 31 jours c'est pas facile quoi disons, c'est quand même un challenge. Si vous avez des idées, des recommandations de ce que vous voulez voir, il me reste un peu des jours où j'ai pas encore casé ce que j'allais faire, donc mettez vos petites recommandations en commentaire, je serais ravie de voir si je peux réaliser vos plus grands souhaits. Évidemment j'espère que vous êtes enjoués par cette nouvelle parce que vu le travail que ça va me demander, j'espère que vous avez sauté partout dans votre chambre à cette annonce. Parce que moi,
Je suis pas sûre de l'avoir fait parce que je suis pas sûre de mon état, mais je pense que sinon je l'aurais fait. N'hésite pas à partager ça avec tous tes amis. Je veux dire, tu leur fais un cadeau. Alors moi je leur fais un cadeau, mais tu leur fais un cadeau de leur faire un cadeau. T'as compris le concept. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'espère ne pas mourir et ne pas faire trop de nuits blanches à monter des vidéos. Parce que le sommeil c'est quand même important. Enfin, moi j'ai une année scolaire à réussir, hein, je vous le répète quand même. Voilà, c'est pas mon plein temps YouTube, hein. C'est quand même un loisir. Je veux pas trop vous spoiler demain, mais je risque de raconter mes pires nouvelles. Je vous ai rien dit, hein, mais il est possible que ce soit ça. C'est tout pour mon annonce. J'ai trop hâte en fait. Vous savez pas comment j'ai hâte. Genre là, on n'y est pas encore, mais j'ai trop hâte. Genre vraiment, c'est un projet que j'ai vraiment pensé. Est-ce que vous parlez de l'intro que j'ai faite? Non, parce que s'il vous plaît, prenez le temps de la regarder. Ça m'a pris vraiment du temps de faire ça. Et j'en suis très très fière. Voilà. N'hésite pas à partager la vidéo avec tout ton réseau, histoire que tout le monde soit au courant des calendriers. J'espère que l'idée vous plaît. Et nous, on se retrouve demain, après-demain. Après-après-après-demain, et t'as compris quoi, pendant un mois, tu vas voir ma tête tous les jours dans ton fil d'actualité YouTube. Moi je vous dis pas à bientôt du coup, je vous dis à demain, hein. Pas encore défini l'heure, bon, d'ici là, je sais pas si l'heure va pas varier, hein. On fera ce qu'on peut. Bonne chance pour guérir cette gueule de bois, et puis on se voit demain. Bye!